It's my birthday. Et puis le clavier il va bien quoi. Avec les lunettes ça flingue. Parce que demain on va à Londres. Podgo est en retard. Les filles, regardez, on a un vrai monstre des fleurs. Ça va pas du tout. Bye bye. Hello mes chats, j'espère que vous allez bien. Je suis trop, vraiment trop contente de vous retrouver pour un weekly vlog. Ça fait genre 5 mois que j'en ai pas filmé, s'il vous plaît. 5 mois. Bref, on se retrouve pour ce weekly vlog parce que c'est ma semaine d'anniversaire. Trop contente. J'ai plein de trucs à faire. J'ai déjà fait plusieurs trucs aujourd'hui. Je vais vous mettre la journée d'aujourd'hui après parce que je voulais une intro digne de ce nom. Je me suis dit... C'est ma semaine d'anniversaire, je peux pas vous prendre dans la rue comme ça, comme d'hab, et faire des intros à l'arrache. Aujourd'hui, c'était journée maintenance, j'ai fait mes ongles et mes cheveux. Je dois faire des dates avec mes amis. Je dois partir à Londres. Je dois faire mon anniversaire à Paris. Bref, je sens que je vais passer une bonne semaine. J'espère que le vlog vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de commenter surtout, ok? Je vous fais des gros bisous d'amour et bon visionnage. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le vrai premier jour du vlog. On est lundi 29 janvier, ce qui veut dire que c'est 2 jours avant mon anniversaire. Je commence les cours à 9h, donc je dois partir dans 10 minutes à peu près. Je me suis fait mon petit déj, comme vous avez vu, bien protéiné, parce que c'est dans mes résolutions de bien manger cette année et d'au moins faire mes 3 repas par jour. Pas 3 en cas, 3 repas. Là, je finis de me préparer comme vous avez vu, fais ma petite skincare et tout. Et c'est parti pour une journée à l'université. Ensuite, ce soir, j'ai un date avec Avila. On va parler projet, tout ça. Donc aujourd'hui, je pense que je vais juste prendre mon ordinateur et mon casque pour travailler. Parce que même en cours, j'ai qu'une matière et je sais pas vraiment ce que c'est. Donc je vais prendre un carnet avec un stylo, mais je vais juste prendre mon ordinateur. Du coup, voilà. Votre goût est en retard. Comme d'hab. Mais les gars, faut vraiment que j'arrête parce que je trouve ça... Ça fait trop pitié, genre. Ça fait pas classe. Une meuf classe est toujours en avance. Donc, je vais essayer de me forcer d'être en avance. C'est l'heure d'aller manger.
Je vais aller à la cantine du travail parce que j'ai pas pris mon repas et que j'ai très faim et que je veux manger correctement. Quand même. Hey, it's me. I know we haven't spoken in a while and things have been weird. I just wanted to let you know that I miss you. Anyways, I have to go now. Cool. Allez chez Matt Nice. J'attends Avila parce que j'ai un date avec elle, je sais même pas si vous m'entendez bien. Et en attendant, j'ai pris des fluffy pancakes pour la première fois de ma vie. Du coup, on va goûter. J'ai rejoint, enfin Avila m'a rejoint et on est paré pour bosser là. Des femmes ambitieuses comme voilà, ça. Voilà, c'est ça. Même en suite, on est ambitieux, ok? T'as capé. Il manque juste le petit café. Et on est paré en fait. Ouais, on attend, t'as commandé quoi? Ah, t'as pris juste à boire là du coup. Ouais, j'ai pris un vanilla latte avec du lait d'amande. J'avoue, le matcha, s'il me tente, je vais voir. Pour l'instant, j'ai pris un truc un peu à base de fruits rouges et un pancake avec caramel beurre salé. Ouais, et spéculoos. Si, il y a aussi. Ok, mais je t'ai pris caramel beurre salé pour oui, moi. Oui, ok, oui. Parce que je me suis trompée, alors je crois que j'ai dit spéculoos à la dame. Ouais, mais il y a des spéculoos dans ouais. Le caramel beurre salé. Ah, d'accord, ok. C'est voilà, trop bien. Ils sont vraiment délicieux, ce que j'ai pris moi. Donc, du coup, on est paré pour bosser. Regardez la cam d'Avila s'il vous plaît. Si vous voulez investir, franchement allez-y. Hein. Pour l'instant elle est. Moi je la trouve bien. Vraiment j'ai. Moi j'avais la G7X comme vous savez et j'ai abandonné de filmer avec. Je me suis acheté le dernier iPhone. Mais la G7X, c'était pas la première à dire qu'elle est pas évidente pour vlogger, j'en avais pas. Ouf. Même la qualité pour vlogger, elle est pas ouf. C'est trop sombre et tout. Donc du coup voilà. Vous serez en immersion avec nous pendant qu'on va travailler. Bye guys. Terminé. C'était super sympa. On est paré pour vous faire une année de business de folie en fait. En tout cas, vous n'êtes pas prêts. Ça va bien se passer. Ça va très très bien se passer. Donc nous on se dit à demain, je vous fais au revoir avec Avila. Voilà. Bisous guys, j'espère que le vlog vous plaît jusqu'à maintenant. Ouais. Si t'as pas encore pris le temps, pose-toi et like. Et abonne-toi. Et abonne-toi surtout. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à demain. Hey, on est mardi. Pour commencer la journée, je vais prendre une vitamine que je prends déjà depuis que je suis à Chypre. Pour celle-là, je me suis racheté ça comme vitamine. Donc c'est de la spiruline avec plein de vitamines B, etc. J'en prends deux le matin, plus un magnésium. Et je pense que ça m'aide vraiment et ça me donne de la force. Donc voilà, je trouve ça super important de faire des check-up et de prendre des vitamines en fonction de ses besoins. On est en France et avec le temps là, on a forcément carence de quelque chose en fait. Que ce soit à cause de notre alimentation qui est trop transformée, de notre manque de soleil, ou l'anémie, ou peu importe. Je pense qu'il est nécessaire de prendre des vitamines en fonction de ses besoins. Surtout ne les prenez pas comme ça, allez faire des prises de sang avant. Et franchement, si je peux vous conseiller un magnésium, genre lui, il est incroyable. J'ai pas trop eu le temps de manger ce matin et j'essaie d'être disciplinée sur tous les repas que je prends par jour. So, on va prendre les gâteaux et une compote que je vais mettre dans mon sac et que je vais manger en petit encas parce que là je n'ai pas faim et c'est pas bien parce que hier soir je n'ai pas mangé. Et je vais faire ma gamelle pour. En fait, je sais pas si je mange à la cantine ou pas, parce que j'ai rechargé ma carte de cantine. Mais il y a à manger. Toujours université ce matin. Let's go est en retard, sinon c'est pas drôle. Donc, je suis un peu KO ce matin. Parce qu'hier, j'ai dormi tard. Il faut que je diminue mon temps d'écran. Donc, je vais vraiment le remplacer par de la lecture. Parce que c'est pas bien, là. Genre, en fait, je tombe malade. Et quand t'es malade, t'as rien à faire d'autre que d'être sur ton téléphone. Et dormir. Donc j'ai pris une très très mauvaise habitude, c'est d'être tout le temps sur mon téléphone.
pendant 10 jours, 15 jours. Genre, mon temps d'écran, il est passé de 5 heures à 10 heures. Du coup, j'ai du mal à lâcher cette habitude. Mais comme vous avez vu, je lis un livre qui est super bien. C'est un livre d'amour, très gnangnan et tout. Donc, quand je suis dans les transports, etc., ben, c'est trop cool parce que du coup, je lis au lieu d'être sur mon téléphone, dès que je marche, dès que j'attends à l'école, etc. Et ça me fait diminuer mon temps d'écran. Le soir, je remplaçais ça par la lecture de la Bible. Et du coup, petit à petit, ça va redescendre. J'ai pas peur de ça. Bref, je vous emmène avec moi à l'école. C'est parti. I touch that spot for you. I do that 3 more times again. I testify for you. I told I like you, that bitch like you. Je vous présente Sam Sam. C'est sa première entrée en scène dans mon vlog sur YouTube. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Tu vas me déposer à la gare. Aujourd'hui, on a fini archi tôt les cours. Je suis choquée. Il est 14h. Je suis choquée, carrément. Du coup, moi, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais aller faire les magasins. Ou je rentre dormir. Qu'est-ce que je fais, Sam? Dormir. Ok. Je suis rentrée, il est 15h, je vais prendre ma douche, faire ma skincare et me poser. Je pense que je vais planifier mon contenu pour la semaine sur Instagram, pour mon compte pro, parce que pour celles qui ne savent pas, je suis coiffeuse afro et formatrice. Du coup, il faut que je communique, etc. Et j'ai trouvé le glitch pour grave gagner des abonnés et en interaction, surtout en communauté. Il faut poster tous les jours. C'est tellement dur. Mais en fait, poster tous les jours et au bout d'un moment, tu vas voir quel genre de contenu ta communauté elle préfère. Et en fonction de ça, après, tu vas poster bah, que du contenu du même style. Du coup, voilà, faut que je planifie mon contenu. Continue à postuler à des offres de stage. J'ai que des réponses négatives, j'ai trop le seum. Et que je dorme parce que je suis fatiguée. It's my birthday. Et je suis en go à 21 ans, en fait. Je suis vieille. Ah, je suis trop contente que ce soit ma journée d'anniversaire. Je prie Dieu pour passer une bonne journée, pour recevoir que des good vibes, de l'amour, des choses anniversaires. On va bien manger au restaurant. Ensuite, je vais faire du shopping. Je vais me faire belle. Il va bien manger ce soir. Je suis trop contente. J'ai trop hâte. Merci Seigneur. Donc il est un peu plus tôt que d'habitude. Je prends ma douche, je m'habille et tout. En mode sexy girl, maquillée. Je crois que même je vais faire des boucles carrément. Je suis bien mangée. Et on va passer une bonne journée, ok guys. Alors, je vous explique le programme de la journée. Du coup, j'allais en cours. Ensuite, je mangeais avec Iba, ma copine, avec Chapel Samarkesh. Ensuite, j'allais me faire coiffer et après, j'allais faire le magasin. Le problème est que mon rendez-vous coiffure est à 12h30. Donc, je vais essayer de tout faire pour le décaler au max, genre 13h. Pour pouvoir manger avec Iba parce que elle, je sais pas si elle va pouvoir manger genre à partir de 11h30, vous voyez. Donc, du coup, voilà, quitte à ce que moi, je ramène le repas qu'on mange au bureau ou je sais pas. Mais j'ai absolument envie de manger avec elle. Et j'ai absolument envie de me faire coiffer. Donc il va forcément falloir que j'arrive à coordonner les deux. Hier j'avais un petit problème. En gros la coiffeuse elle avait pas les mèches que je voulais alors que je lui avais demandé sur Instagram. Du coup bah, j'avais le seum. J'avais le seum et tout. Je dois payer plus au final parce qu'elle a pas de closure. En gros c'est un tissage avec closure que je vais faire. Je vais mettre la coiffure juste ici. Et elle avait pas de closure 5x5. Et moi c'est ce que je mets tout le temps. Genre même sur mes pépés et tout. Et elle me dit, ouais, on met une 2x6. Que les 2x6, vous voyez, c'est toute fine, même, c'est grave à la mode en ce moment. Et moi, j'aime pas parce que je suis coiffeuse et je sais que souci d'entretien, ça, déjà, ça va pas faire du tout le rendu que je veux. Et surtout, mais surtout en entretien, c'est grave galère, tu vois. Donc, franchement, hier, j'étais un peu vénère, mais là, je me suis dit, bon, voilà. Certes, les aléas, ça arrive parce que je suis coiffeuse, donc je suis au courant. Le plus important, c'est de communiquer. Si, lorsque je lui ai demandé, il lui restait peu de stock, parce qu'elle m'a dit que son stock, c'est fini, elle aurait pu me dire. Par contre, il me reste peu de stock, donc je te conseille de les commander maintenant auprès de moi ou un truc comme ça, tu vois. Finalement, ça s'arrangeait, c'est ce qu'il faut retenir. J'aime trop les boucles sur moi. Je trouve vraiment que ça me rajoute un truc. Bon, on va partir sur une full face pour mon birthday. Après, je vous avoue, j'ai un peu peur parce que je suis habillée en blanc et je suis la meuf
qui se salit le plus au monde, je pense. J'ai 10 minutes pour me make-up et 10 minutes pour manger. Je me suis déjà lavé les dents, donc c'est carré. J'espère être à l'heure. Ah, regardez mon petit déj, c'est Tata qui m'a fait. Il y a du thé. Tu veux du pain? Non. Le truc, comment ça s'appelle ça? C'est jusqu'à quand? Ma cagnotte. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, ouais. Ma pépite, je trouve qu'elle boucle un peu mal. Merci. Non, les filles, je vous montre parce que là, j'aime bien. J'aime bien, c'est Mimi, j'aime bien. J'ai mis un collant finalement, au début je voulais pas en mettre. Mais j'en ai mis un parce qu'il fait super froid dehors apparemment. I'm ready to go, but I'm late. Comme d'hab, c'était sûr. What's in my bag? My new book, le nouveau livre que j'ai commencé. Et je l'ai commencé dans le train, j'ai trop hâte. Mais du coup, ouais, j'ai mon ordi, un livre, un carnet de notes et un stylo. J'ai pris mon gloss et mon parfum. J'ai dit à ma mère de m'attendre pour qu'on se rejoigne à Starbeck. Pour que tu saches le jour de mon anniversaire, parce que je veux pas ne pas l'avoir le jour de mon anniversaire en fait. Ça va être la première fois et tout. Trop triste. Du coup, je vais la rejoindre. J'ai vu ma maman. Trop émue. Elle a failli pleurer et tout. C'était trop mignon. Donc là, je commence à 9h en fait. Donc ça veut dire que je suis pas trop en retard. J'ai 3 heures de 10 minutes. Mais juste avant de commencer ma journée, on va voir Iba parce que je devais manger avec elle. Mais finalement, je veux plus manger avec elle. Je vous avais expliqué. J'ai fini les cours, j'ai oublié de vous dire. J'ai commandé un Uber pour aller jusqu'à chez la coiffeuse parce que en transport c'est une heure et j'avais pas prévu ça. Du coup, bah, c'est parti, normalement j'arrive à l'heure, je suis trop contente. Je suis dans l'ascenseur, les gars. Je suis grave rassurée parce que la coiffeuse en fait elle a déjà coiffé ma meilleure amie. Du coup, ça veut dire ça va, j'ai vu qu'elle coiffait bien et tout. Et j'avais vu ma meilleure amie à ce moment-là et elle était bien coiffée. Donc ça va, j'ai pas peur. On va voir ce que ça va donner. Ouais, finalement, je vais aller chercher à manger. Parce que la dame est en retard un peu. En fait, j'avais dit qu'elle allait être en retard. Du coup, elle a prévu de faire un truc entre dedans. Du coup, je vais aller acheter à manger pour tuer le temps. Parce que j'ai faim. Je vais voir ce qu'il y a de pas trop loin. On m'a dit, il y a un Aldi, mais j'ai envie de manger de la vraie bouffe. Donc, on va chercher de la vraie bouffe ensemble. Je cherchais désespérément les coiffeuses de tissage, mais j'ai l'impression qu'elles sont toutes trop prises. Moi, je trouvais des 5x5, c'était des longues. Je trouvais pas forcément exactement ce que je voulais. Et après, je me suis dit, bon, si tu fais bien les tissages ouverts comme ça et tu fais bien les tissages fermés, tu dois bien faire les deux, tu comprends? Mes belles, je suis magnifique. I am wonderful. Elle a kill ça. Elle a dead. Oh, c'est pas sexy de parler comme ça. Désolée, mais je suis trop belle. Et quand je suis trop belle, je ne sais pas l'exprimer. Et là, je suis magnifique. Genre, elle a
tête. Je vous mets des vidéos parce que là, je crois que vous ne voyez même pas bien à quel point je suis magnifique. Oh, pitié. Regardez s'il vous plaît, magnifique. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Il faut savoir que je rêve de cette coiffure depuis 3 mois. Donc, comment vous dire qu'elle a réalisé mon rêve? Comment vous dire? Oh my god. Je suis arrivée au centre commercial. Finalement, on n'est pas parti à la Valley Village parce que c'est loin. Fin fond du 7-7, vous connaissez. Donc, on est parti à Valley Team. Là, j'attends mon copain. On va faire le magasin ensemble. Il m'a offert une carte cadeau Bershka. Donc, on va aller dépenser tout ça. Regardez le premier haut. C'est juste très transparent, mais trop mini. T'en penses quoi? Il est sympa, hein? Très transparent, hein? Si vous voulez. On va nous? Non. On va se concentrer, quoi. Le deuxième, c'est un ensemble, mais maman, il est magnifique. Je suis fan. C'est trop, trop beau. Ça, je le vois avec tout, genre. Ça passe avec tout. Par contre, il se met bizarre. Je sais pas trop comment il se met là, c'est tordu un peu de façon. Mais ouais, ça se met avec tout ça. Et je suis vraiment maigre parce que même le XS il a l'air un peu grand pour moi là. Mais c'est magnifique. Je vais le prendre. Il faut que je me trouve des escarpins. Franchement, je vais tout prendre les filles. Là, il faut juste que je trouve des escarpins pointus. Je pense qu'il va me rester un peu d'argent sur la carte cadeau. Parce qu'il a mis beaucoup quand même. Bah avec le reste de l'argent, j'irai cet été pour mon voyage, comme ça m'acheter mes robes pour cet été. Du coup voilà. Hello guys, j'ai fini mon petit shopping. Je vous ai pas dit, mais je suis passée par Sephora. J'ai racheté mon anti-cerne Too Faced parce que le mien était fini. Et j'ai essayé de trouver mon fond de teint NARS. Comme les Français sont racistes, je n'avais pas ma teinte. Donc faut savoir que c'est le 4e Sephora d'Île-de-France, mais les gens qui habitent à la Bretagne et tout, les Noirs, ils doivent souffrir en fait. C'est mon 4e Sephora d'Île-de-France et je trouve toujours pas ma teinte. Alors que je suis brown skin quoi. Les dark skin, elles doivent souffrir. Bref, là je rentre chez moi. Mais en fait, je dois rejoindre Avila parce que madame a oublié son casque chez moi. Donc elle vient récupérer mon casque. Son casque, pardon. Je vais lui faire des nattes collées. Elle rentre et moi je vais faire ça et pizza avec ma soeur et ma tante. J'ai trop hâte. J'ai une tête. Hey guys! La meuf tête en l'air qui est venue récupérer son casque. Oui, mais non, non, c'est toi qui l'as volé. T'es parti avec, t'as confondu avec le tien. Comment elle veut me mettre dans la sauce, tête en l'air? C'est quoi, ma cousine, le soir, elle me rend, elle me dit: mais Chiara, t'as retrouvé mon casque? J'ai dit: ah, il était dans mon sac depuis tout ce temps. Et après, tu me dis: Chiara, j'ai pas que c'est mon casque dans ton sac. Je me suis dit, ah, y a un quiproquo. Il y a un problème. Bah, s'il vous plaît, regardez. Est-ce que j'avais cette tête quand vous m'avez vue tout à l'heure? Ivan? Absolument pas. Devinez qui l'a remise en état? C'est moi. C'est Bibi, comme d'habitude. Non, mais it's giving. Avoir une copine qui coiffe. Et puis le carré, il va bien, quoi. Avec les lunettes, ça fait un... J'espère que je vais prendre des lunettes de soleil pour J'ai pris des lunettes de soleil. Ouais. Elle part à Barcelone. Ce sont mes cheveux. Non, par contre, achetez tous une Vipart, s'il vous plaît. Non, quelle Vipart? Oui, c'est vrai. Mes cheveux. Faites pousser vos cheveux. Prenez le Luxeol, l'huile Mascretti. Non, je rigole. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous la mets en barre d'infos. Je vous la mets en barre d'infos, n'importe quoi. Je la mets. Je vais t'envoyer l'huile. La meuf qui s'approprie un peu trop le vlog. Mais j'avoue, même moi, genre. Et en plus, enfin. Après, moi, j'ai les cheveux défrisés, hein. Oui. J'ai les cheveux de nature défrisés. Mais même la racine, genre, ça va. Ouais, ça choque pas. Franchement, parfait. J'ai passé deux fois, trois fois le Et moi, j'aime le côté. Ça se voit que c'est pas un tissage. Ouais, ouais, je sais pas ce que tu veux dire. Genre, le tissage, tu vois un peu la structure. Alors que là. Et là, c'est même, genre, très plat. Tu fais tes bibières et tout, et ça passe deux fois. Ok, je ferai mes bibières. De toute façon, j'ai mis dans un petit pot de la cire et tout. Bye, guys. Fais-leur des bisous. Hein. À bientôt. À bientôt. Franchement, j'ai passé une trop bonne journée d'anniversaire. Genre vraiment, j'ai reçu des centaines de messages d'amour. Même des gens, je me dis, vas-y, genre, je leur parle pas et tout. Ils ont pensé à m'envoyer un message. Des gens que je ne soupçonnais pas, qui m'envoyaient des textes et tout. Ça m'a fait trop plaisir, je suis trop reconnaissante pour les proches que j'ai vraiment. Là, Avila est partie. J'espère qu'elle n'aura pas de problème de train. Et moi, bah, je vais prendre ma douche, préparer mes affaires pour demain.
parce que demain on va à Londres. Ouais, vraiment. Outfit, j'ai déjà en tête. J'ai envie de mettre une jupe plissée un peu comme aujourd'hui, mais en noir. Avec un col roulé noir. Un sous-col roulé noir, autant de col roulé noir qu'il faut. Pour ne pas avoir trop froid. Et pour mettre seulement un cardigan. Et un foulard, sans avoir à mettre de manteau, vous voyez. De toute façon, vous verrez demain. J'aurai 21 ans et un jour. Oh my god. La fin de ma journée. Votre go va dormir. Pour être prête demain. Faut que je me prépare pour demain parce que je vais être KO sinon. Bisous mes amours. Votre go est en retard. Parce qu'en fait, il faut que vous appréciez comme je suis trop belle. Je vais vous montrer un peu mon outfit, mais je suis en putain de retard, genre. J'ai pas tout fini, il manque des fossiles et les lèvres. Mais moi, comme je suis habillée, genre, j'aime trop. J'ai vraiment mis plein de couches pour pas avoir froid. Mais bon, c'est bon. Je suis prête. C'est parti. Je vous explique un peu, parce que là, ça va. J'ai eu le temps de courir, entre guillemets. Bref. Je me suis réveillée un peu en retard, j'avoue. Genre, j'ai traîné 10 minutes. Et du coup, je suis en retard de 15 minutes. Genre, l'Eurostar, parce que du coup, on va prendre l'Eurostar à Gare du Nord. Il part à 7h40. Et on avait rendez-vous à 6h. Donc, c'est très très tôt, mais je pense que si j'arrive avant 6h30, ça va. Sauf que vais-je arriver avant 6h30, parce que là, il est 6h10 et je suis toujours pas à la gare. Et sinon, appréciation de mon make-up fait en ma full face fait en 20 minutes. Vous saviez que j'avais des talents, mais là, je voulais prouver. Genre, même pas 10-15 minutes. Putain, je suis trop chaude. Bon, ils ont donné comme deadline 6h40. Il est 6h30, donc j'aurai pas le temps de passer au Starbucks pour me prendre un café. Hola! On y va là! On est portable. Juste à peine. Les sorciers. Vous êtes tellement méchants. Guys, on est arrivés. Trop contente. Léna m'a prêté des trucs pour que je fasse mes cils et ça change tout à mon make-up. Vraiment, j'adore. Du coup, il fait super beau dehors. Il a l'air de faire bon aussi. Il y a un soleil plein. Je suis belle. Donc aujourd'hui, on va aller des photos. Là, on va sortir et on va visiter des ponts toute la matinée. Après, on sortira et on fera ce qu'on voudra. Donc, je peux même pas vous dire le programme, où on va aller et tout. Je vais suivre les gens, je vous mens pas. Et on rentre à 19h. On est arrivé où, Léna? À London. London. Là, on est dans le subway. Je ne sais pas où nous allons, mais nous allons. On est arrivé dans une station. Qui s'appelle? Voilà. Box Hall. Voilà. Je me dis, tu vois, il y a des trucs sympas en vrai. On a fini notre visite des ponts de merde. C'est temps libre en fait. Et on va manger. J'ai trop, trop hâte. Ok, ouais. J'ai enfin mon fond de teint de Nars. Vous m'avez fait chier. Ah non, mais vous-même, vous savez, ça fait un mois que je le cherche partout en France en fait. Oh. Elle est rentrée à Zansky pour trouver une déco. Je vous trouverai en Angleterre tout à l'heure. Mais c'est magnifique la déco. Ok, mais après, je me suis rappelé qu'on était en Angleterre, ils s'en fichent du vol. Oui.
Non mais en fait c'est pas choqué en mode... Waouh. Wow. Mais tu vas la mettre dans quoi? Dans un pot. Okay. Pour l'instant c'est pas... Regardez ce que vous trouvez, c'est trop mignon. Vous moquez pas de moi, c'est mon vlog. Et avant, je dois passer acheter 2-3 petits trucs pour bien dead en fait ma closure. Parce que comme ça fait 3-4 jours que je l'ai, elle commence un peu à se décoller. Vous voyez, c'est léger, hein. Mais je veux que ce soit clean pour ce soir. Donc je dois juste acheter 2-3 trucs, genre un spritz, une laque aussi pour mes boucles. Et c'est tout d'ailleurs. Donc je vais passer vite fait à Saint-Denis avant. J'ai super hâte. Donc pour la tenue, pour y aller, je vais mettre un ensemble de sport. D'ailleurs, il est incroyable, c'est Shein. Si vous voulez, je vous mets le lien en barre d'infos. Il est trop confortable, vraiment. I love it. J'ai fait ma valise déjà depuis une semaine parce que la go est trop surexcitée en fait. Du coup, j'ai tout mis dedans. Il faut juste que je rajoute un maillot de bain parce qu'il y aura un spa. Et que je rajoute genre mes fers à boucler, etc. Avant de partir, je vais quand même faire un brushing pour que ce soir, quand je vais vouloir me coiffer, je dead. Parce que entre temps, je vais aller à la piscine et tout, donc j'ai pas envie de me coiffer avant le soirée et le dîner au resto. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'ai trop hâte, je pense que j'ai passé une bonne journée. Vous verrez ma robe stunning. Hey, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Prévu parce que mon mec est en retardataire et qu'il va partir à l'heure. Donc là j'ai tout préparé, je voulais juste passer à Saint-Denis pour acheter 2-3 petits trucs. Et c'est parti. Du coup, il faut que je vous montre l'ensemble. Je l'avais déjà mis il y a une semaine en fait. Trop beau. J'aime trop. On va aller au spa. Je te l'ai passé. Regarde vers ton lit. On va au spa. Je vais essayer de mettre vidéo parce que ça a l'air super beau. Il y a piscine, hammam, sauna. Et je crois que c'est tout. Peut-être un moment détente. Bref, on va voir. On a rendez-vous au restaurant dans 2 heures.
Donc on a 45 minutes max de spa parce que moi je prends une heure pour me préparer. Bah, après on doit prendre le Uber. Je suis partie chercher des baignoires parce que nous n'en avons pas. Par contre, ils ont plus de chaussons, ma vie. Je suis prête, mes chats, regardez comment je suis belle. Ça, je vous montre la lumière de la salle de bain. Je suis trop belle. Vraiment. J'ai mis du coup ma robe au poli. J'ai fait des boucles. Mon make-up. Donc du coup j'ai essayé mon fond de teint NARS. Attendez, je prends. Donc je suis fan. Mon teint est magnifique. Et comme talon, je vais juste vous montrer. Hop, je prends cela. Ils sont magnifiques. Nous sommes actuellement dans le Uber pour aller manger. La différence de style est flagrante. Et Nike, voilà. Quelque chose à dire pour ta défense? Quelque chose à dire pour ta défense? Oui, je sais pas, c'est éteint. Je sais pas. Quelque chose à dire pour ta défense ou pas? Non. Le vlog, ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. Notre réservation a été cancelled parce que j'ai mal compris les informations. Du coup, je me retrouve à errer dans les rues de Paris pour trouver un restaurant qui veuille bien de nous un samedi soir à 21h. Alors que nous sommes affamés et que je suis habillée comme un camion volé. Donc voilà. Heureusement que mon chéri a trouvé un petit plan B, j'espère que ça va marcher. Je suis triste. J'ai demandé à mettre des bougies sur mon petit dessert. Donc qu'est-ce que j'ai pris bébé, dealer? Tu sais ou quoi? Un truc de merde de chocolat. Ah oui, d'accord, l'investissement. J'ai pris un moelleux au chocolat avec... C'est pas un moelleux. Si, c'est un moelleux, un fondant. Ouais, fondant. Un fondant au chocolat. Avec de la crème... Non. Avec... Non, tu t'arrêtes. Ouais, du coup pour le restaurant, franchement on a bien mangé. Ça a rattrapé le coup de l'autre restaurant. Je suis dégoûtée pour l'autre restaurant. En fait, j'ai mal compris, il y a eu quiproquo dans ma tête. Juste le cadre, il cadrait pas forcément avec mon accoutrement. J'étais super chic par rapport au cadre. Mais c'était bon, ils ont été sympas, ils ont fêté mon anniversaire, donc... Happy, had a good night. Là, je vais me changer, on va dormir posé, parce qu'il est déjà minuit passé, en fait. Déjà minuit passé, demain, le petit-déj, c'est jusqu'à 10h max. Vous-même, vous savez, dans les hôtels comme ça, si t'arrives déjà à 9h30, il n'y a plus rien. Donc, il va falloir qu'on se lève tôt. C'est ça qui est le plus chiant. Et surtout, le check-out, il est à midi. Donc, du coup, voilà, on va essayer aussi de profiter un peu de la piscine avant de partir. 9h30, on s'en va pour le petit déj. J'ai trop la dalle. Trop la dalle. J'ai si faim. Même moi j'ai pris au début, mais il n'y avait rien. Ah. Je suis rentrée. Malheureusement, c'était vraiment super bien. Je vous mets toutes les informations sur l'hôtel, le restaurant. Je vous mets toutes les informations sur l'hôtel, le restaurant où on était. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez y aller. Et c'est ici que se termine ce vlog. Une semaine avec moi, c'était vraiment incroyable. Merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous amour. On se retrouve, je sais pas quand, mais très bientôt si Dieu veut. J'espère revenir avec une petite vidéo face cam. Je vous fais des énormes bisous d'amour. Mouah. Oh, non, 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 non.